Je suis médium, clairvoyante, j'exerce à Paris où je reçois en cabinet. Je fais également beaucoup de consultations par téléphone. Puisque je le rappelle, il suffit simplement de placer son intention sur la fréquence de son consultant afin de percevoir les différents espaces-temps. J'aime travailler sous forme d'enquête afin d'ouvrir toutes les possibilités futures et de détecter les blocages de vie. Le futur n'est que la lecture des différents effets que nous produisons. Voir l'état d'un chemin va permettre de s'équiper en fonction de celui-ci. Si je vous dis que la route sera boueuse, vous mettrez des bottes, c'est évident. Savoir pour prévoir. J'aime transmettre ma passion et mes connaissances. C'est ainsi qu'est né le Centre Eden, que j'ai cofondé avec Johan Gary, magnétiseur, et où nous sommes formateurs. Il regroupe les formations en art divinatoire, la radiesthésie et les techniques de soins énergétiques. Nous avons créé également l'association Les Cœurs Vaillants, où nous recevons des conférenciers afin que chacun puisse avoir accès à la connaissance. Alors, nous étions en 2016 et en 2016, nous étions en année 9. Et en année 9, on prépare le 9 pour l'année qui suit, qui sera en année 1, c'est-à-dire le renouveau et le commencement. J'avais été interviewée par Sci-Fi en 2012 et la grande question, c'était est-ce que ça va être la fin du monde ? Et c'était pas du tout la fin du monde, c'était l'axe de changement, en fait. Hein. Donc, vraiment, le nouveau monde, pour moi, cette nouvelle énergie, elle va commencer véritablement donc en 2017. Et où on va vraiment être sur des choses qui vont être toutes neuves, puisque c'est le démarrage et c'est là qu'on va mettre en route. Donc c'est là où on sème les projets, mais que ce soit dans le monde, que ce soit en France, mais que ça soit aussi personnellement, bien évidemment. Et le 1 va être donc très important, notamment pour cette échéance qui est importante pour nous, pour les élections présidentielles. Puisque le 1, c'est quoi ? C'est le grand, c'est le yang, c'est le moi aussi, hein, c'est la patrie, la France, notre pays. Et tout comme en 2012, cette énergie du 1 va beaucoup influer sur le résultat des élections présidentielles. J'ai un accord important qui va être signé avec l'Allemagne sur septembre, un accord qui va mettre l'accent sur une nouvelle stratégie par rapport à la zone euro, mais qui aura aussi des répercussions sur les autres pays. Je vois une communication assez ouverte entre la France et les États-Unis, une rencontre dès le premier trimestre entre les deux dirigeants, mais également aussi avec François Fillon et très certainement Marine Le Pen. Malgré cela, entre la France et les États-Unis, il pourrait y avoir quelques petites dissensions qui pourront apparaître. Un accord qui est trouvé, hein, sans problème, plutôt vers la rentrée 2017. Avec la Russie, des relations normales, malgré toutefois un gros différend sur la toute fin de l'année 2017. Je ressens Donald Trump très impatient, comme un enfant avec son nouveau jouet en fait. Je le vois rencontrer beaucoup de chefs d'État, beaucoup voyager et ne jamais laisser une impression mitigée. Elle sera excellente ou désastreuse. Le début de son mandat sera marqué par une difficulté de se faire comprendre. Je sens un gros problème de communication au sein de son pays, mais également par rapport aux autres États. Les 5 premiers mois de l'année porteront essentiellement sur de nouvelles lois qui feront grincer les dents des Américains. Le début de l'été 2017 est marqué par un tournant, de nouveaux décrets qui sembleront très impopulaires vont naître sous les hauts des Américains. Il y aura beaucoup de manifestations dans le pays, pourtant pas accoutumés à ça, et il remettra ça en décembre 2017. Bref, on entendra très souvent parler de Donald Trump. J'ai eu immédiatement ces deux mots,
sécheresse et crue. J'ai néanmoins des images d'eau, des choses ensevelies sous les eaux, comme un dérèglement climatique. Ce sera le principal problème de l'année 2017 en France, à mon sens. Les rivières, les océans, donc toutes les villes côtières. J'ai quelque chose sur le Languedoc-Roussillon. J'ai vraiment entendu Languedoc-Roussillon quand je me suis mis sur le climat. Les côtes du Nord-Ouest et toujours le sud de la France. Inondations, vents, orages violents. Mais rien que nous n'ayons déjà connu. La courbe du chômage restera sensiblement identique à celle de 2016. En réalité, quand je le visualise, j'ai toujours une courbe montante, même quand les chiffres voudraient laisser paraître le contraire. Je vois de nouvelles mesures importantes qui seront néanmoins prises cette année 2017 afin de tenter d'inverser cette courbe pour les années à venir. Ceci dit, ce n'est pas un scoop, hein, parce que tout le monde en parle tout le temps, mais bon. J'ai notamment et très rapidement des mesures et des lois qui vont porter sur le travail des jeunes et un dispositif différent ce qui concerne les allocations chômage. Ces mesures porteront tout doucement leurs fruits dès 2018, mais pas avant. En ce qui concerne l'économie en France, j'ai une personne féminine, peut-être une ministre, qui va faire bouger pas mal de choses. Je ressens nettement une grande attention qui va être portée sur les économies de l'État. Et j'ai principalement le mois de juin 2017, qui est d'ailleurs marqué par un grand changement en ce sens. Je vois beaucoup de réformes en ce qui concerne l'éducation, notamment les études supérieures. J'ai également des facilités, des bourses plus importantes pour les plus démunis. En clair, j'ai vraiment l'impression que le gouvernement va porter son attention sur la poursuite des études en facilitant celles-ci. Je vois plutôt un homme d'ailleurs occuper ce poste. On peut s'attendre à de grands changements dans ce domaine qui prendront effet dès la rentrée 2017. Tout le domaine de la santé sera restructuré durant l'année prochaine. Il sera peut-être pas complètement terminé, mais en tous les cas, une grosse partie va être restructurée. Le point essentiel sera porté sur les économies. Ce domaine est marqué vraiment par du féminin, pour le coup. J'ai vraiment une mesure phare qui apparaît dès le mois de juin. Cette mesure apporte un mieux, une sorte de soulagement face à une catégorie de personnes. Il peut s'agir d'une mesure concernant les handicaps, les maladies orphelines, les longs traitements, voilà, ce genre de choses. De toute façon, le domaine de la santé va être complètement restructuré, mais un petit peu comme dans tous les domaines, en fait. C'est vraiment une année qui va énormément bouger. La politique internationale est marquée par une femme, peut-être pas comme ministre, mais en tous les cas, j'ai vraiment une femme qui va jouer un rôle important dans le domaine. Je perçois comme des grillages, j'ai vraiment vu ça en fait, j'ai vu comme des grillages autour du pays, ce qui me fait penser que les lois sur l'immigration vont être durcies. Et en même temps que je perçois ces grillages, je perçois aussi beaucoup de forces d'ordre en fait, qui vont être beaucoup plus importantes qu'à l'accoutumée. Il semblerait donc que des mesures de sécurité vraiment plus importante soit mise en place avec un effectif augmenté dès l'année prochaine. Je me suis aussi penchée sur la personnalité d'Emmanuel Macron avec son nouveau parti En Marche. Je pense sincèrement qu'il va ouvrir une voie intéressante, se battre pour ses idées. Il n'éclot pas en 2017. J'ai beaucoup de mal à le voir éclore aussi dans les années futures avec un destin présidentiel. Je pense qu'il va encore changer pas mal de choses. Manuel Valls devrait annoncer très prochainement son intention de participer aux primaires. Je le trouve plus que motivé dans la course à la présidentielle. Grande confiance quant à son futur programme.
Pour autant, il est loin de faire l'unanimité, et dans sa famille politique, et d'ailleurs l'unanimité tout court, mais faute de mieux, il a ses chances. Voilà. Je dirais que pour moi, Manuel Valls est le mieux placé actuellement. Je ressens Marine Le Pen remonter comme un coucou suisse, préparer très finement le terrain. Elle va remettre en cause certaines institutions propres au Front National d'ailleurs. Elle devrait aussi réussir à obtenir de nouveaux alliés. Ses opinions, sa ligne de conduite vont se démarquer, je trouve, de son ancienne campagne de 2012. Elle va être très très réactive. Je ressens beaucoup de conflits pendant cette campagne. Une chose est sûre, elle voudra prouver et gagner, mais c'est bien là son caractère aussi. Hein. La période sera tellement électrique jusqu'en mai qu'elle pourrait même avoir subir quelques petits accidents sans gravité mais corporels. Toutefois, elle fera une bonne campagne, mais non, ce ne sera pas encore pour cette fois. Je ne vois pas le Parti Socialiste trouver leur rassembleur. J'ai cherché, j'ai regardé, je ne le vois pas apparaître, je ne vois pas apparaître un chef, en fait. Hein. Donc, je vois bien pourtant quelqu'un qui se présente, hein. Mais la personne qui représentera le Parti Socialiste à l'élection présidentielle sera là parce qu'il faut bien quelqu'un, en fait. Hein. Donc, quelqu'un par défaut. Je ne la vois pas du tout faire l'unanimité, ni dans sa famille politique, ni parmi les Français, d'ailleurs. Une femme quand même qui devrait sortir au dernier moment, ou en se présentant, ou en donnant du poids à un candidat. En réalité, le seul rassembleur possible était François Hollande. J'entends rassembleur qui aurait pu effectivement prendre voilà tout le Parti Socialiste. François Hollande a pris la juste décision de ne pas se représenter. Je pense que c'est une sage décision et qu'il a bien fait, car il ne serait pas parvenu de toute façon à un second mandat. Donc il a cette possibilité de partir avec les honneurs de son quinquennat. Je me suis aussi penchée sur d'autres personnalités du Parti Socialiste. J'ai commencé par Benoît Hamon, parce que Benoît Hamon devrait nous surprendre dans les années à venir. C'est pour moi un outsider, comme j'avais bien, on va en parler tout à l'heure de Monsieur Fillon, mais donc c'est un outsider au même titre que François Fillon, qui prendra du poids dans quelques années, mais c'est encore un petit peu tôt maintenant. Je ne sens pas un destin présidentiel pour Bruno Montebourg, ni l'année prochaine, ni plus tard. La campagne des socialistes est incarnée par un homme, mais sous des airs de grand rassemblement, nous sommes tous unis, il y aura énormément de dissensions, de coups bas, et toutes ces petites choses très sympathiques. À mon sens, le candidat socialiste ne gagnera pas les élections 2017. François Fillon, fraîchement élu pour représenter son parti, a une longueur d'avance sur ses adversaires, car il a une énergie qui va être beaucoup plus importante qu'eux et vraiment une envie d'assouvir ce destin qui est en lui. Il est vraiment dopé par cette force, hein, c'est un homme de pouvoir qui construit lentement mais sûrement. Je trouve que sa destinée, il la prépare depuis les années 2000 en réalité. Hein. Plutôt conservateur, malgré qu'il sache regarder au loin, il va donner vraiment le maximum afin de parvenir à la présidence à laquelle il accédera en mai 2017. Et d'ailleurs, j'ai cette image de lui sur le perron de l'Élysée, et j'ai déjà eu cette image dès l'année 2013. Une campagne très stressante pour François Fillon, vraiment, je sens vraiment quelque chose de très très électrique, des décisions radicales, des choix inattendus, surtout quant à son entourage politique d'ailleurs. La campagne sera ardue, mais son ciel commence tout doucement à s'éclaircir à partir de mars 2017 à peu près. Pour autant, c'est un chemin qui va être semé d'embûches. Le programme de François Fillon va beaucoup parler sur les valeurs familiales, éducatives, le patriotisme. Le Front National va s'opposer totalement à ce programme, notamment sur tous les sujets concernant la politique internationale et l'euro.
Au niveau du cinéma, j'ai simplement survolé tous les films pour voir celui qui ressortait un petit peu, qui allait être le plus en lumière. Et j'ai eu le film La Danseuse, avec au moins un César. Et dans ce film, il y a surtout Lily Rose Depp. Et j'en avais déjà parlé l'année dernière de Lily Rose. Je vois vraiment une actrice qui grimpe quoi, de plus en plus haut. Et on va la revoir encore beaucoup, beaucoup. Et elle va vraiment devenir une actrice très importante, qui va compter dans le cinéma français. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année. Faites le plein de fréquences positives et éloignez-vous le plus possible des peurs. Vivez au présent, libérez-vous des charges inutiles du passé et levez toujours votre regard vers le soleil. Plantez vos désirs, visualisez-les et ne permettez à aucune ombre de jeter un doute quant à leur réalisation. Redevenez le maître de votre vie. Très belle année 2017.